Maman Sylvie Confection. Yo mo tala ka mo na onde ola tisie. Vaseline PFR. Vaseline PFR. Très très grande chanteuse. Vaseline PFR. Donc la grâce de Dieu sera là et les gens seront Casarina.fr. Rebecca est bien présente et puis nous allons assister au concert. Casarina.fr. Bonsoir. Bonsoir. Casarina.fr. 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 Bonjour, très chers amis, très chers téléspectateurs, vous qui aimez www.casarina.fr, eh bien, c'est le grand jour. Moi, je suis votre sœur Liz Manzambi. Vraiment, je suis très heureuse de vous savoir encore et toujours très nombreux à nous suivre, en tout cas. Eh bien, aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est le grand concert de la sœur Rebecca Malopé. Vous avez pu voir déjà l'arrivée de la sœur Rebecca Malopé. Eh bien, aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est le grand concert du 9 mai 2013. Nous sommes ici à l'Olympia. Eh bien, nous allons d'abord essayer d'avoir les impressions du grand producteur Papa Antoine Katoto, qui va nous donner quand même ses impressions juste avant le grand concert d'aujourd'hui. Papa Antoine, j'aimerais quand même avoir vos impressions. Bonjour tout d'abord. Bonjour Maman Liz. Vraiment. Alors, vous êtes venu fraîchement de Kinshasa. On vous a eu à l'aéroport, aujourd'hui c'est le grand jour. Alors vos impressions juste avant le concert, on vous sent stressé, il y a la pression? Non, on n'est pas stressé, pas du tout, mais on est quand même un peu fatigué. De toute façon, nous avons fait ce qu'on pouvait faire à tant qu'homme, et le reste c'est la part des dieux. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre là? C'est vrai qu'ils n'ont pas encore vu le concert, ça va bientôt commencer. Qu'est-ce que vous pouvez déjà dire? Je ne peux transmettre que ce qu'elle avait promis. Quand on était dans sa maison en Afrique du Sud, elle avait promis qu'elle va faire un show comme elle n'avait jamais fait. C'est-à-dire quoi? Toute la journée d'hier, elle était enfermée dans la prière afin que Dieu fasse sa grâce. Donc la grâce de Dieu sera là et les gens seront émerveillés, les gens seront bénis, les gens vont glorifier Dieu. Tu sais que quand on chante pour Dieu, on ne tient pas compte de langue. On peut transmettre les messages sans toutefois qu'on ait la langue. En tant qu'enfant de Dieu, on sait qu'il y a une transmission de l'esprit. Voilà un peu ce qu'elle avait promis. Donc, elle va faire une prestation comme elle ne l'a jamais fait. En tout cas.
Alors, c'est vrai que nous sommes là pour le concert de la sœur Rebecca, mais on ne peut pas vous avoir sans tout autant parler du frère Atom, c'est la sœur Nadège, pour cet album qui vient de sortir, Le Culte. Alors, à peine sorti, déjà un tabac. Le succès mondial. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous avez encore touché le gros lot une fois encore? Ou bien on peut dire que la main de M. Katoto, c'est de l'or. Tout ce qui touche, ça marche. Ou encore, tout est grâce. Tout est grâce, comme vous l'avez dit, maman. Alors, tout est grâce et je ne pense pas que c'est la façon qu'il faut analyser la chose et la façon qu'il faut présenter le travail. Il ne faut pas faire les choses dans la précipitation. Et je sais que pas seulement l'album de Frère Atoms qui venait de sortir tout à l'heure. D'ici là, nous allons larguer le DVD complet. D'ailleurs, Kazarema, qui est notre partenaire attitré, a déjà lancé le nouveau clip, en exclusivité d'ailleurs, de Mike Kalambay, qui sera très bientôt sur le marché. Et peut-être dans un mois ou deux, il y a la sœur Gisèle Moussadi qui revient avec un nouvel album. Et j'espère que le peuple de Dieu sera béni. En tout cas, eh bien, merci beaucoup, papa Antoine Katoto. Merci beaucoup, maman Lise. On va essayer de vous avoir, la sœur Rebecca Malopé, et pourquoi pas aussi vous avoir un petit bout de ce grand concert ici à l'Olympia. Alors derrière la caméra, c'est toujours le triple K, John Kaninda, et sans oublier notre réalisateur, frère Blaise Manzambi. Alors, nous avons aussi Saint Thomas ici, mais Saint Thomas s'est converti, parce que c'est vrai que lui ne croyait pas que la sœur Rebecca Malopé viendrait ici à Paris, mais Saint Thomas, aujourd'hui, tu as changé? En tout cas, nous sommes là, bien à l'Olympia. Et puis Rebecca est bien présente. Et puis nous allons assister au concert. En tout cas. Bon, bah voilà, on vous laisse savourer ce grand moment ici à l'Olympia. Et puis on se retrouve juste après. Merci. Bonsoir.
Voilà, alors en tout cas, on vous avait promis que nous allons avoir la sœur Rebecca Malopé juste après cette prestation, cette belle prestation que vous venez de suivre sur Kazarima.fr ainsi que sur Congo Number One. On l'avait eu pendant son arrivée. Aujourd'hui, bah, là, c'est juste après le concert. On est vraiment très contents, très émus. Et là, on aimerait quand même... tout d'abord, comment est-ce qu'elle va? Comment vous allez? Fine, thanks, and how are you? Bonsoir. Bonsoir. Yeah. En tout cas, alors, ça lui fait quoi d'avoir joué aujourd'hui à l'Olympia, cette salle mythique? How do you feel it, your first time in Paris on this? It's so exciting. I'm so excited. At first, I thought maybe, oh, how can they just invite me to Paris? Because I can't speak French. And I don't think people in Paris know my music. But I was so surprised to see the audience tonight. And I'm so excited and I hope to come back again. And this time, I don't want to do one show. I want to do a tour in Paris. Donc elle est vraiment enchantée et émerveillée d'être à Paris, vraiment excitée. Elle parle pas français. Elle ne pensait pas que le public français écoutait sa musique, mais en tout cas elle est vraiment excitée. Elle espère vraiment revenir et pas pour faire un show, mais en faire plusieurs et faire un tour même de l'Europe. Et qu'est-ce que vous pensez du producteur, Monsieur Dario Kindongo, qui vous a produit ainsi que la maison Kin Express en collaboration? How do you feel, Mr. Dario Kindongo and Mr. Antoine Katoto, the producers of this event? I'm so excited. That's what I said. It's so exciting that they brought me here. And hopefully it's not the last time. We will be working together with them for quite a long time. This is the beginning of greater things to come. Donc elle est vraiment enchantée d'avoir travaillé avec Monsieur Dario et Papa Antoine Katoto pour cet événement. Elle sait que c'est le début d'un long travail qui va commencer et elle pense qu'à son prochain voyage, ça sera plus pour une tournée. Alors voilà, aujourd'hui le peuple africain, congolais, le peuple du monde entier vous suit. Mais est-ce que vous auriez un message particulier en tout cas? Parce que c'est vrai que vous chantez souvent la consolation, vos chants sont très profonds. Est-ce que vous auriez un message en particulier à adresser à la population congolaise qui s'ouvre en ce moment à l'est du pays, surtout les femmes violées? Et nous pensons aussi à tous ces enfants qui travaillent dans le monde. You have so many people listening to your music, also African people, but especially Congo people. So for the Congo women, do you have something, just 2 minutes to encourage them? To encourage them. What I want to say, because we watch the news, we see all the things that are happening to our mothers and sisters in Congo, which is not only in Congo, it's happening all over Africa. You know, women abuse, children abuse, and all these rapes that are going on. They must know that we are with them in prayers. And always, they must always remember that tough times never last, but tough people do. With God, everything is possible. Donc vraiment, nous voyons à la télé, par les informations, les journaux, même en Afrique du Sud, au Congo, nous voyons comment les femmes sont persécutées, les enfants. Ce n'est pas que au Congo, dans plusieurs pays d'Afrique, mais la parole d'encouragement qu'elle a avec, pour eux, c'est qu'avec la parole de Dieu, tout est possible. Et elle pense aussi dans ses prières à toutes ses mamans, toutes ses filles et tout ce peuple qui est persécuté. Merci beaucoup, Madame Rebecca. Mais je vous offre aussi mon DVD de Royaume Éternel. Ça, c'est moi. Qui chante. Merci. Alors, écoutez ça. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Alors, on remercie Monsieur Dario Kindongo, en tout cas, qui a permis cette entrevue. Vraiment, nous avons suivi la sœur Rebecca depuis son arrivée jusqu'à aujourd'hui, le grand concert, en tout cas, ici à l'Olympia de Paris. Merci à mon réalisateur, le frère Blaise Manzambi, sans oublier le triple K, John Kaninda, vraiment, qui était derrière la caméra. Merci à Monsieur Antoine Katoto Kin Express, qui était là aussi en collaboration pour ce concert. Merci à Tanguy, en tout cas, Prospub, sans oublier Kenneth. Bonsoir, monsieur Lokwakanza. On vous a vu assister à ce grand concert de Rebecca Malopé ce soir ici à l'Olympia de Paris. Alors, vos impressions? Magnifique, magnifique concert. C'est déjà, c'est une très, très, très grande chanteuse, sensible, qui touche.
Et là, simplement un groupe merveilleux. En plus, il y avait aussi des amis à moi que je connaissais, en l'occurrence Potoma, qui était au cœur. Vraiment. Alors, est-ce que vous avez un mot en particulier à adresser à ce public africain en général qui vous suit sur Casarema.fr et sur Congo Number One? Bah, plein de bonnes choses, beaucoup d'amour surtout, c'est ce qu'on a besoin, beaucoup de paix, et voilà. Alors, un mot en particulier pour toutes ces victimes de viol à l'est de la RDC? Bah, écoute, je le dis avec beaucoup de tristesse dans le cœur, parce que c'est nos mères, c'est nos enfants, c'est nos filles, et j'espère de tout cœur que tout ça va se résolver très très vite, parce que on a envie de paix. Merci beaucoup, c'était le grand artiste Lokua Kanza. Merci. My name is Sabata Masoga and I am a vocalist in Rebecca's band. Alors, vos impressions par rapport à ce grand concert, je pense que c'est la toute première fois pour vous de jouer ici à l'Olympia de Paris. How do you feel it, your presence in Paris and this side? I love Paris. It's actually my first time to be in Paris. Tout d'abord, comment est-ce que vous vous appelez? Your name. Okay, my name is Nobuhle Nhlangela from South Africa. I work with Sister Rebecca Malope and also I'm a gospel artist also in South Africa. Et nous avons encore une choriste ici. Elle a une grande voix, en tout cas, elle a très bien chanté aussi, tout comme elle. Comment est-ce qu'elle s'appelle d'abord? Can you give your name? Mais il faut lui dire que elles ont très bien chanté. She say, I like the way you singing on the concert. You have a good voice. Les deux. You les garçons également. Also the men. And I want to know your name. How do I say thank you in the language? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kia butanda moyo ntwele moyo. Okay, thank you. Thank you. Hi, this is Wuhle, and you're listening to Kazarima Boyd FM. Hi, this is Sabata Masoga, and you're listening to Kazarima Boyd FM. Et nous disons vraiment merci à la quatrième personne, l'apôtre Paul Mwanga, qui était là pour nous assister. Merci au prophète Samuel Panzu en direct de Milan, qui est en train de nous suivre en ce moment. Merci au bishop Prosper Chimanga. Merci à vous. Et merci à tout le public de Casarema.fr ainsi que à Congo Number One, vous qui nous suivez, Marc Tabou, à Dilondolé, Papa Valable. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes vraiment nombreux, mais nous vous disons merci de nous aimer et de continuer à nous suivre sur Casarema.fr. Faire. Merci. Les portes de l'Olympia sont déjà fermées. Ben, le concert est déjà terminé, nous sommes déjà arrivés à la fin en tout cas. Après cette très belle prestation de la sœur Rebecca Malope de l'Afrique du Sud, en tout cas, nous avons été vraiment ravis et j'ose croire que vous aussi vous étiez ravis de suivre ces quelques moments exceptionnels avec la sœur Rebecca Malope d'Afrique du Sud avec son groupe. En tout cas, vraiment pour ma part, je vous dis merci et j'aimerais quand même remercier toute l'équipe de Casarema qui ne cesse d'être là pour soutenir ce grand travail que nous faisons chaque jour. Alors je dis merci à celui qu'on appelle Triple K. Merci en tout cas pour cette exclusivité. Oyoto Ebikeza, nulle part ailleurs que sur Casarema.fr, www.casarema.fr. Et sur Congo Number One, notre site partenaire. On n'oublie pas de dire merci au grand Kenneth Manaja, vraiment, hein, anglais, vraiment Fanda. Nous n'oublions pas non plus de dire merci à notre grand visionnaire d'Aigle, le frère Blaise Manzambi. Merci beaucoup à monsieur Abbé Balipor de 13 Valables, sans oublier nos chroniqueurs Adil Londolé, Marc Tabou. Vraiment, merci à l'équipe de Casarema à Kinshasa. Et je ne peux pas oublier, Binomo Monikaka. Nenge na lati, nenge na voiti, bomoni, ba mama, bozomona vraiment. Donc, Naza bien sapé, excusez-moi. Oh, bah, chanteuse ya Rebecca Malo, bah, zala ki KO, mais debout.
batali robe nanga ba bino. Est-ce que bato ngara boy vraiment bazala a na poto? Pour habiter ba couture ils ala ming ming kana ba Afrique, ba Afrique du Sud, hein vraiment. Mais ba kamwe ba moni robe ba kamwe makasi. Donc maman Sylvie confection. Yo mo tala ka mwana onde olatisier, nde bongisinga, esali ba jaloux, mais ma maman ebele ba sepeli, ba tali. Ma chanteuse à Rebecca et moi habité. Non, na mon arabe qui toko boité. Donc mon maman Sylvie confection, merci parce que ma chanteuse à Rebecca Malope, ba koufi net na film. Mais vraiment, on est ravi. En tout cas, ce concert s'est très bien passé. Ici, nous sommes à l'Olympia de Paris. C'était Rebecca Malope en live. Exclusivité nulle part ailleurs que sur Casarema.fr. Eh bien, moi, je suis ravi quand même de vous présenter. Je vous avais promis. Le DVD de Royaume Éternel, c'est déjà disponible. Déjà disponible. Oh, to prometaka, mais bisou to réalisaka toujours ce que nous promettons, vraiment. DVD de Royaume Éternel, yango sebimi, beaucoup retrouvé, bah, nzemo, nyon sobolinga, bah, béni le mariage, bah, tout doit changer, bah, élevez-vous. Et puis, bien sûr, beaucoup d'exclusivité là-dedans. Vous allez jamais être déçus. Alors, j'en profite aussi pour dire que l'album. Le culte de frère Atoms et la sœur Nadège Mbouma, en tout cas, c'est déjà disponible. Appelez Casarema, allez sur la boutique de Casarema, donc casarema-6boutique.fr, vous trouverez cet album. En tout cas, aujourd'hui, on était ravis d'assister à ce grand concert de Rebecca Malope ici à l'Olympia de Paris. Et je ne peux pas terminer sans pourtant dire merci à monsieur Dario Kindongo Babengi, le messie des producteurs. En tout cas, merci de nous avoir fait rêver encore ce soir à travers ce grand concert avec la sœur Rebecca Malope. Merci na papa Nabiso Ronaldo Kinexpress Antoine Katoto qui était là toujours à la pointe, vraiment. On était content. Alors, désolé de ne pas vous avoir présenté le public. Le public était là, dans la joie. Mais le problème, c'est qu'on était bloqué à l'intérieur. Donc, on ne pouvait même pas sortir. Voilà. Voilà pourquoi on n'a pas pu avoir les impressions des personnes qui ont assisté à ce concert. Alors, pour ma part, j'ai dit. Merci au prophète Samuel Panzu, Nakata Milana, Mama Philo. Merci à pasteur Alexis Kimbulu Djunga. Tu n'as pas pu être là, mais oso vivre image en live sur casarema.fr. Pasteur Abakouk, merci. Merci à la quatrième personne, Ouayaki, en personne, ici, à l'Olympia de Paris. Alors moi, je vous dis merci. Je vous aime beaucoup et continuez toujours à suivre casarema.fr encore et toujours. Merci. Créateur des cieux et de la terre, Père, je bénis ton nom. Ceux qui se connectent à Adassa, malgré problème, vous avez une savine ailleurs pour cause de solution. Adassa, où j'ai tiré le nom d'Adassa, qui est ici. Dans un cardiaque, il y a une pasteur qui est là. Il y a un peu de temps pour prier à 4h30. À partir de la prière, Adassa, bien aimé. Alors moi aussi je me suis connecté à Adassa Souma. J'ai commencé à me connecter à 3h30 du matin. Bien aimé, j'ai vu des grandes choses dans ma vie. Rejoins le bison dans Katina Dassa. Comment dit par réunion dans le bison à Dassa pour rater en hôtel. Le 8 juin, nous avons déjà un Adassa meeting. Yaka, son babi est au partout pour aller. Venga numéro de téléphone, wana. Bana déjà pour Kota, dans Katia prière dans le bison, il y a 4h30 du matin. Rejoins le bison, est-ce que vous avez un peu de Dialyse pendant 4 heures dans la machine. Après, la machine, on a la soupe ici dans le Canada. Mais la coma, la tombe de la soupe, c'est un peu là.
Ou encore moi j'étais malade. Je suis allé voir le médecin. J'avais un problème, un débit de prostate. Bon, on a commencé à prier avec maman Mireille au travers des Hadassah. Hadassah qui est le ministère que Dieu lui a donné. Craignons l'Éternel, menons une vie de repentance. Aujourd'hui, je suis dans la joie, je suis très béni, non seulement moi, mais aussi ma famille. Venez le 8 juin, nous avons Hadassah Meeting à Amsterdam. C'est un samedi, ne manquez pas, préparez-vous déjà dans le jeûne et prière de 3 jours que nous allons venir terminer ensemble Hadassah Meeting. Peut-être ça va faire une confusion, mais Hadassah sous-marin, Hadassah Meeting, en fait c'est quoi au juste? Dans la vision Hadassah, Dieu nous a inspirés, nous avons des Hadassah Meeting. Ce sont des réunions que nous faisons au mois de juin. C'est dans les après-midi, c'est comme une convention. Nous avons Hadassah Night que nous faisons au mois de décembre. Chaque mois de décembre, nous terminons l'année par Hadassah Night. C'est une nuit de prière. Et nous avons Hadassah Sous-marin. C'est ça qui nous permet d'être connectés avec le ciel chaque jour, de 4h30 à 6h du matin. Sauf que les longues pour terminer en boca ou lente, quel est l'autre 3 jours, tu as donné à jeûne à 21 jours. Nous avons un maladie, disons, et qu'on ait un témoignage, nous avons préparé témoignage. Benga couple banza, pour qu'on soit solution na problème na yo. Ma fille, je te dis, madame Max, je te dis oui, papa, j'ai fait sans préservatif. Est-ce que tu sais que l'homme n'a souffert du sida? Jésus, tu es où? Je dis Seigneur, adopte ta main. Je, parce que depuis que je suis dans Hadassah sous-marin, de 10h à 15h, ma délivrance toujours. Autant je suis reparti prendre les tests, on découvre que je suis négatif. Le médecin me dit, mais madame. Madame? J'étais
je connais personne qui me répondra. Je ne m'en l'obéis, je ne m'en l'obéis.